Pour perdre du poids, surtout ne faites pas de régime. Dans son ouvrage « Zéro contrainte pour maigrir », aux éditions Flammarion, Jimmy Mohamed livre ses conseils bien-être et révèle comment il a perdu 10 kilos en une année. À titre personnel, je pratique le jeûne intermittent et je pense que c'y est-il une des clés qui m'a permis de maintenir ce poids stable, explique-t-il sur le plateau de Buzz Télévision, ce mardi 31 janvier. Une méthode aussi vantée que critiquée, mais qu'il a dit avoir adoptée pour plusieurs raisons. La première, si est-il qu'on mange trop, déplore-t-il. Et à aucun moment, on ne laisse notre tube digestif au repos. On ne fait même pas la distinction entre la faim et l'envie de manger. S'appuyant sur la littérature scientifique pour les 39 conseils donnés dans son livre, il indique à nos confrères, les études montrent que le jeûne intermittent favorise la perte de poids et le gain d'énergie. Supérieur à avant après, les pertes de poids les plus spectaculaires des stars, l'étonnante astuce de Jimmy Mohamed pour perdre du poids, chroniqueur pour le magazine de la santé, France 5, et sur France Bleu après les visites le matin. Il explique que son premier repas de la journée, il ne le prend qu'à 16h30. Et à aucun moment, je ne manque d'énergie, le corps a des ressources extraordinaires, assure Jimmy Mohamed. Le médecin revient ensuite sur les effets néfastes du sucre transformé que l'on retrouve dans des gâteaux par exemple, contrairement à ceux qu'on trouve dans les fruits et qui ne posent aucun problème. Enfin, le généraliste qui travaille à SOS Médecins et est souvent intervenu sur le plateau de TPMP évoque les bienfaits du vinaigre qui va activer le brûleur de graisse. Quand on en prend 2 cuillères à soupe par jour, ça permet en 3 mois de perdre entre 2 et 3 kilos. Attention, ce n'est pas un produit miracle non plus, met-il en garde ses lecteurs. Crédit photo, Groupe France Télévisions France 5.